Deux adolescentes se filment sur TikTok et c'est le drame. Deux adolescentes ont décidé de se filmer sur TikTok. Mais cette histoire a pris une tournure tragique. Kubra Dogan, âgée de 23 ans, rendait visite à sa cousine, Hélène, âgée de 16 ans, dans l'appartement familial à Istanbul, en Turquie. Elles avaient décidé de monter sur le toit pour prendre des photos au coucher du soleil. La joie était palpable, mais soudain, un drame terrible s'est produit. Attention, ces images peuvent heurter les plus sensibles. Les cousines ont passé plusieurs minutes à se filmer et à se prendre en photo. Mais Kubra a marché sur un panneau en plastique qui a cédé sous son poids. Elle chute alors de 9 étages subitement. Ce fut un moment de choc pour Hélène, qui continuait de filmer la scène, tandis que Kubra chutait de près de 50 mètres. Sa cousine, terrifiée, s'est précipitée dans l'appartement pour raconter l'événement tragique. Elle a appelé les services d'urgence. Les ambulanciers sont rapidement intervenus. Mais il était malheureusement trop tard pour Kubra, décédée sur le coup. À la suite de ce drame, la famille envisage de poursuivre en justice l'entrepreneur responsable de l'installation du panneau en plastique qui a conduit à ce drame. La famille avait auparavant déconseillé aux filles de réaliser des vidéos dangereuses sur TikTok. Nous les avons prévenues, mais elles n'ont pas obéi. Le corps de Kubra a été transporté dans sa ville natale de Midyat, dans la province de Mardin, en Turquie, et enterré une fois les procédures post-mortem effectuées. Une histoire très tragique qui fait réfléchir